Bonjour. Donc, je fais cette vidéo pour dire merci. Il y a une dame qui m'a fait, elle m'a fait une surprise qui me fait intensément plaisir. Bon, il fallait que je partage avec vous. Je partage ma vie. Bon. Cette dame est quittée de Paris lundi soir. Elle m'a entendu dans un direct, je parlais de ce que j'aime. Donc, à l'aéroport, elle a acheté ça. Et elle arrive dans mon local à Makepe. Elle dit qu'elle a un paquet à me remettre en main propre. Et là, franchement, regardez. Voilà ça. J'ai dit, mais attends. Donc, ça fait 4 ans que je n'ai pas mangé et tout de la durée. Depuis 2019. Depuis 2019 que je suis quittée. Je suis quittée de Paris. Oui. Donc franchement, je sais que vous m'aimez beaucoup. Hein. Moi aussi, je vous aime. Oh non, j'ai dit que vraiment, la femme là, ça m'a tellement fait plaisir que... Voilà ça. Quand mes employés ont vu ça, je leur ai dit, que vous allez voir vos affaires que le glacier moderne vous fait ici au Cameroun là. Hein? Vous allez voir ça aujourd'hui. Donc vraiment, mamie, merci. Je te bénis. Vraiment. Toi qui as pensé à moi, tu as porté les macarons que tu as quittés de France avec pour venir me donner. Vraiment. Franchement. Mais c'est bien de servir Dieu. Voilà que vous avez fait mes vidéos. Vous avez cherché les choses pour me faire plaisir. Pendant que vous encouragez les vidéos, vous avez cherché à me faire plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. Ce que je fais souvent quand je mange les macarons, je vais croquer tous les macarons. Et à croquer ça. Après, je vais croquer ceci. Après, je vais croquer ceci. Excusez-moi, il y a eu le désordre. Après, je prends. Le rose, il est bon. Hein. C'est comme si on a fait le rose laver la rose, vraiment. Bon, ceux qui jeûnent, vous allez m'excuser. Hein. Le rose était très bon. Je vous dis merci. Samuel, je ne peux pas te parler de bain de pipi. Je suis en train de manger mes macarons. Tu as compris? Tu as compris, Samuel? Merci sincèrement à ceux qui pensent à moi. Donc, merci à vous qui restez comme ça. Vous dites que qu'est-ce que je peux donner à la femme là qui peut lui faire plaisir? Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Ok. Je vous bénis. Vous te servez l'orange. De la même façon que vous pensez à moi, que ce que vous êtes en train de, même si c'est à distance que vous priez pour moi, que Dieu vous retourne vos prières au centuple. Comme Genèse chapitre 12, verset 3, 4 et 5 dit, tous ceux qui me bénissent, que Dieu vous bénisse au centuple. Merci la reine Christelle. Vous pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça, parfois quand je vois ça, je me dis,
Souvent, quand tu restes, les limites attaquent dans ta tête. Il te dit, qui pense à toi? Qui t'aime? Regarde, ta famille t'a abandonné. Dieu va toujours mettre quelqu'un sur ton chemin. Qui va te faire, te montrer un petit geste. Pas que c'est la voiture qu'il t'a donnée ou la maison, mais un geste qui va te faire comprendre que Dieu pense à toi. Donc, je déclare sur vous, en cette journée, tout ce que vous avez semé dans la vie des gens dans le passé, que Dieu vous le retourne au centuple. Tout ce que vous avez semé dans ma propre vie, oui. Souvent, il reste comme ça, quelqu'un dit que oh, je vais venir te donner quelque chose. Elle vient me donner le sac à main. L'autre m'envoie même les pâtes de bœuf l'autre jour. Elle vend les pâtes de bœuf avec la peau du bœuf. Elle m'envoie les pâtes de bœuf. Vraiment, je vous remercie. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me touche. Je ne suis pas très émotionnelle. Je ne pleure pas trop, moi. Mais le fait de savoir que ce que je fais vous touche, ça me touche. Voilà. Il fallait vraiment que vous le sachiez. De voir quelqu'un porter ses macarons, porter les macarons de Paris, arriver à Douala, chercher mon bureau, venir dans mon bureau me déposer ça en main propre. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir, vraiment. Je remercie vraiment le Seigneur. J'ai béni la femme ici jusqu'à, j'ai dit que, maman, comme tu as semé dans ma vie comme ça, que tes enfants ne manquent jamais, que toi-même tu ne manques jamais. Voilà. Et comme tu as pensé à moi, que d'autres personnes aussi pensent à ce qui va te faire plaisir dans ton cœur. Voilà. Pour ceux parmi vous, je sais que vous avez des bonnes intentions vis-à-vis de moi. Je sais que peut-être c'est la distance qui vous empêche de faire certaines choses. Sachez que même l'intention là déjà, je bénis cette intention au nom de Jésus. Ok? Et que votre lumière continue toujours de briller. Voilà. Donc moi et mon bébé, on a bien mangé. Ça c'est pistache. Mon bureau à Makepe. Derrière Pacha Center. Makepe lycée. C'est ça que vous me regardez chaque jour, vous ne venez jamais. Depuis 2019 que j'ai pas mangé de macarons. En 2023, il déclare sur toi que cette chose que tu désirais depuis longtemps, Dieu est en train de préparer ça pour te donner dans cette semaine au nom de Jésus. Cette semaine. Vous savez, le bien est bien. Parfois, quand tu fais le bien aux gens, ils vous disent toujours que ne t'attends pas que ça revienne du même endroit où tu as semé. Ce n'est pas parce que j'ai donné par la porte ici que c'est la porte-là qui va souffrir pour me donner. Et parfois, Dieu se prépare. Il a été de préparer ton paquet. Il a été de te préparer. Donc, il y a les choses que Dieu a prévues pour vous que si vous saviez ça, vous ne vous inquiéterez pas. Je m'inquiète, ouais, je vais faire comment. Alors que Dieu en train de dire, bon, on fait comment pour la fille ici? Ouais, ok, bon. Ange Michael, va d'abord là-bas, tu fais comme ça là. Oui, comme ça, tu vois ce qu'elle désire depuis 5 ans là, non? Oui, donne-lui tout ça maintenant. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Laurel la gloire, quittez là-bas, vous allez m'apporter un agogo. Ne me promettez pas les macarons, quittez là-bas, mouf. Quittez. Moi, je fonctionne pas avec les promesses. Ne venez pas faire les hommes camerounais qui promettent qu'ils ne donnent jamais là. En 2022, je fonctionne avec les actes. Ne me dis pas que tu m'aimes. Ne me dis pas que tu vas venir me voir. Montre-moi. Voilà. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas béni quelqu'un qu'elle mange comme ça là. Il bénit la femme, si Seigneur, ouvre ses portes.
Vous serez surpris de voir ce que Dieu va faire dans votre vie en 2023. Il y a des gens que vous avez aidés depuis 2020. Les gens que vous avez aidés depuis 2014. Cette année, Dieu va sortir tout ça. Il va vous faire le rappel des bénédictions. Tu vas rester sur ça, tu vas voir ton compte bancaire. Tu vas dire, ah! Oui. Parce que quand quelqu'un méditait ta perte, tu étais en train de méditer son bien. Quand quelqu'un était en train de comploter contre toi, en assassinant à côté de toi, toi tu sais que, ah, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on aide la fille ici? Pendant que la fille est en train de vouloir te mordre. La pensée positive que tu avais sur la personne là, Dieu va te retourner ça au centuple cette année au nom de Jésus. Ruth, tu as le coca de la cuillère. Faut venir me donner ma mine, je suis à ma capette. Vous avez dit que je fais le doc. Ma part d'un doc, c'est là, c'est grave. J'ai écrit dans le groupe ce matin que qui a le coca. Je ne gêne pas voir avec vous. Il ne peut pas jeûner. Bon. Et pas même mes macarons. Écoutez, je ne peux pas vous dire ça plus de... Le bien est bien. La Bible dit que ne te fatigue pas de faire du bien. Parce que dans la saison, tu vas récolter. Si tu ne te fatigues pas. Si tu ne te fatigues pas. Et le but de l'ennemi quand il vient t'attaquer, c'est te fatiguer. C'est te décourager. Quand au moment tu dis que, ah, est-ce que ça sert à quelque chose? This God, Dieu là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a mes employés qui vont goûter les macarons aujourd'hui. Hey, yes, Seigneur. Bye bye. A tout à l'heure, je vais encore faire le direct. Je suis encore dans là pour une journée. Je suis au Gabon après-demain. Bon, bye bye.